un sentier. Vous avez pu revenir. J'ai un cadeau pour vous. Un tout nouveau modèle de menottes. Elles font toujours office de terminal, mais elles sont dotées d'une arme. Suite à la dernière connexion, j'ai pu en reprendre la conception à zéro. Et elles sont dotées d'une arme? C'est ça. D'un délieur. Je vous explique. Vous êtes d'accord que les échoués sont reliés à l'autre côté par un cordon ombilical? C'est quand les cordons mettent la matière de notre monde en contact avec l'antimatière de leur monde que... Boum! Ça explose. Mais... Comme Deadman l'avait pressenti, votre sang a bien des propriétés particulières. Grâce à lui, on peut couper le cordon d'un échoué. J'ai donc ajouté cette fonction. Si vous arrivez à couper le cordon d'un échoué, il retourne dans le monde des morts. Pas de néantisation, sans échoué. C'est tout bénef. Et ça permet de couper le cordon. Si vous arrivez à vous approcher assez sans vous faire remarquer, oui. Les menottes coupent cordon, c'est pas mal. Merci. Il faut faire un test. Coupez le cordon qui nous relie. Elle dort comme un loir. J'ai veillé à ce qu'elle ait sa dose de lait. Je vous en prie. Faites-le, Sam. On doit aller de l'avant. Elle n'a jamais fait partie de ce monde, mais... je ne voulais pas qu'elle le quitte pour autant. Même si elle est déjà perdue. À dire vrai, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas ma fille. L'attaque terroriste et tout le reste, c'était pas vrai? Si. Tout ça est bien arrivé. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'ovules, et l'ocneu a un problème au niveau de l'utérus. Donc la maternité, il n'en était pas question pour nous. Ça me convenait très bien, c'est vrai. Les mômes, à quoi bon en faire, hein? Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle voulait à tout prix un enfant. Il fallait qu'elle transmette ses gènes. Elle est tombée amoureuse d'un type chez Bridges, mais il a eu un accident, il est mort. Ça l'a anéanti, évidemment. Tout comme moi. À cette époque, les émotions fortes de genre... je pouvais ressentir les siennes et elle pouvait ressentir les miennes. Alors quand j'ai senti qu'elle avait envie d'en finir... de le rejoindre, je lui ai dit sans réfléchir, si on faisait un bébé... on a pris un des ovules de l'ocneu et on l'a fécondé avec le sperme congelé du cap. Et je l'ai porté dans mon ventre. Un bébé en bonne santé a grandi en moi. Et puis, il y a eu cette attaque. Et... notre lien a été rompu. Je voulais le lui dire. Mais j'étais liée à l'enfant. C'était pas possible de l'abandonner. Mais je me trompe. Locke ne doit le savoir. Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout.
Notre mission est de reconnecter le monde. Mais je dois d'abord me reconnecter à ma sœur. Je vous en supplie, Sam. Faites-le. Sam, vous voulez bien le fermer? Ça va faire un sacré bail que je suis pas sortie. Ce serait un peu trop à supporter d'un coup. Vous êtes sûr? Vous allez pas avoir du mal à rester enfermé après les décombres? Y a pas de raison, du moment que je peux voir à l'extérieur. La chaleur de la lumière. La caresse du vent, le parfum du monde. Quelle chance. Vous êtes encore reliés tous les deux. C'est parti, Sam. Merde! J'avais préparé une super surprise, rien que pour toi. Mais j'ai comme l'impression que t'es légèrement occupé. Mais c'est pas grave. On peut toujours changer un peu les règles. Tenez-vous prêts, Sam. On dirait qu'il a faim. Tout ce que t'as à faire si tu veux survivre, c'est de pas te faire dévorer. C'est pas cool, ça? Bien sûr que...
Les échoués sont partis. École. Thank you.
Sam? Un pont s'est littéralement effondré sur l'hôpital dans lequel j'étais. J'en fais encore des cauchemars. J'entends encore le craquement pendant que tout s'écroule. Depuis ce jour-là, j'ai une peur bleue des ponts. Je sais. C'est pas une phobie très pratique, mais est-ce qu'il y a des phobies qui le sont? J'ai aussi peur du noir, vous savez. J'arrive plus à dormir. Impossible. Lancement du scan. Scan de l'identifiant du jazz. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Toutes les armes restaurées. Fin de l'interdiction.
Ok.
compris, Patrick. Sam Porter Bridges.
vous rappeler votre connaissance. Parce que moi, je me souviens de quand j'étais dans le ventre de ma mère. J'étais pas toute seule. Je pouvais entendre battre le cœur de ma mère. Et celui de Lochneu aussi. On était sœurs siamoises. Avant même de naître, on ne faisait qu'une. Ensuite, les chirurgiens ont voulu nous séparer. L'opération a été un succès. Mais on faisait toujours qu'une. On n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche pour communiquer. Mes joies étaient ses joies. Et ses peines étaient mes peines. Peu importe la distance entre nous, on ne faisait qu'une. On pourrait presque appeler ça télépathie. Séparés par le corps, réunis par l'esprit. On avait une grève, rien que pour nous. On la partageait. Notre propre réseau. Culturel privé, si on veut. Grâce au Cupidon, on peut faire en sorte que tout le monde puisse partager la même chose que Lochneu et moi. Après avoir signé chez Bridges, je l'ai entièrement visualisé. Un réseau capable d'unir tout le monde, peu importe la distance ou les différences, qui nous permettrait de former un tout. Le but ne serait pas d'uniformiser les gens, mais de leur permettre de pouvoir coter les uns sur les autres, de partager sur un pied d'égalité. Je savais que ça pourrait changer. Et ensemble, on a finalisé la conception de Cupidon. Mais... Thank you.
qu'elle avait traversé. Je croyais qu'elle avait fait exprès de rompre notre lien pour mieux pouvoir voler notre enfant et s'enfuir avec elle. Je l'ai réparé comme elle me l'a demandé. Vous ne devriez plus avoir de soucis avec le limiteur. Mais j'ai remarqué quelque chose. Avant de toucher quoi que ce soit, j'ai pris le temps de bien examiner le code. Et je pense que quelqu'un y a touché. Si c'est pas le cas, alors c'est que ma mémoire me joue des tours. Quelqu'un aurait réécrit votre code ? Réécrit, c'est peut-être un peu exagéré. Disons en tout cas qu'il n'était pas conforme à ma dernière version. Mais bon, grâce à ça, j'ai eu l'immense chance de revoir Malingan. Peut-être qu'on a déjà trouvé notre coupable. Elle est morte là-bas, sous les décombres, avec notre enfant dans son ventre. Et tandis que son cas est passé de l'autre côté, son A est resté là, lié à notre fille morte. Elle en était consciente, bien sûr. C'est pour ça qu'elle ne mettait qu'une seule menotte, pour qu'on ne puisse pas voir ses fonctions vitales. Si elle avait pu se servir de son invention préférée, elle a fait tout ça pour nous protéger, notre fille et moi. Nous étudions les données du moment où vous dites avoir rencontré ces soldats. On a récupéré le son, qui ne suffit pas à reconstituer tout ce qui s'est passé, mais les langues, les noms, les mots qu'on a réussi à identifier, et les munitions dont on a reconnu la nature, tous ces éléments concordent et semblent indiquer que vous vous trouviez sur un champ de bataille remontant à plus d'un siècle. À la Première Guerre mondiale, pour être exact. Ce n'était pas un rêve, et ce n'était pas non plus une hallucination. C'est comme si vous aviez été aspiré dans une autre dimension. Étant donné les différences de temps, vous avez peut-être été envoyé sur une grève. Mais tout ce que je vous dis là n'est qu'hypothétique. Ceci étant dit, je n'ai jamais entendu parler d'une grève transformée en champ de bataille. Mais on le sait, les grèves sont modelées par la volonté des gens qui y habitent. Hartmann aura peut-être une explication plus rationnelle. C'est son domaine d'expertise. Malheureusement, il ne fait pas encore partie du réseau chiral. Quoi qu'il en soit, il faut vous reposer. Inutile de s'attarder sur des questions auxquelles on ne peut pas encore répondre. Nous apprécions beaucoup.
pour ça. Collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité. Lou, c'est ça que vous cherchez? Surprise! C'est Fragile qui m'a amené ici. J'ai enfin pu faire un tour sur la grève, du moins, sur sa grève. Vous en faites pas, j'ai sûrement pas fait tout ce chemin pour faire du tourisme. Ce gentil petit chérubin est en train de glisser sur la mauvaise pente. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai expliqué comment fonctionnent ces incubateurs dont on sert pour connecter les bébés à leur pseudo-mère via le réseau chiral. Pour parler schématiquement, les brises-brouillards sont des ponts qui relient notre monde à celui des échoués. Leur place n'est ni ici parmi nous, ni là-bas dans le monde des échoués. Elle est précisément entre ces deux mondes, et n'ont de véritable affinité ni avec l'un ni avec l'autre. Mais cette unité, le bébé 28, est semblerait-il progressivement en train de basculer vers le monde des vivants. Vers vous, ça. C'est parce qu'on est partenaire. Partenaire? Ça, un bébé est un outil, pas un être humain. Un pont, oui, un humain, non. Et alors, c'est quoi son problème? Son problème, c'est que cette arme est en train de se transformer en être vivant. Il prend du poids. Son activité cérébrale ne fait qu'augmenter. Il accumule même des souvenirs. Le bébé 28 a développé une conscience. Il devient un véritable enfant. Je vois vraiment pas en quoi c'est un problème. C'est du matériel, ça. Fabriqué dans un but bien précis. Un but qu'il ne peut pas du tout mener à bien hors de sa capsule. On a 70% de chances de l'endommager de façon irrémédiable rien qu'en essayant de l'extraire. Ce qui importe peu, parce que si on ne fait rien d'ici là, il cessera tout bonnement de fonctionner d'ici quelques jours. Il cessera de fonctionner? Exactement. Même la capsule ne suffira pas. Il sera bon pour la casse. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le réinitialiser. Il va falloir me le laisser, évidemment. Dans un premier temps, je couperai ce cordon qui vous relie, puis j'effectuerai une opération pour le reconnecter à l'autre côté. Vous pouvez voir ça un peu comme une petite tape pour rectifier son alignement. Pour le remettre là où il devrait être, c'est-à-dire pile entre le monde des vivants et celui des morts. Mais je le répète, pour ça, il va falloir me le laisser un temps. Mais ça va marcher au moins. Évidemment. Mais c'est risqué. La chirurgie pourrait effacer ses souvenirs. Les effacer? Lou va m'oublier? Relax, le bébé redeviendra parfaitement opérationnel. Il va falloir me faire confiance. Allez. Ayez confiance, on va pas en faire un drame. Et c'est comme si on le réinitialisait, c'est tout. C'est exactement pour ça que j'ai horreur de ces trucs. Sam. Je me sentais déjà bien crasseux après mon petit tour sur la grève. Mais là, votre bébé vient d'en rajouter une couche. C'est trop pour moi.
très discret ici. Il n'y a que vous et moi. Il n'y a pas de moyen de nous enregistrer, ni d'analyser les mouvements de nos lèvres sur vidéo. Approchez. Die Hard Man ne doit surtout pas le savoir. C'est primordial. J'ai fait beaucoup de recherches sur les premières expériences sur les bébés. Officiellement, elles ont été interrompues par le gouvernement, à la suite d'une néantisation qui a malheureusement tué le président par intérim de l'époque. Les bébés ont été interdits, et tous les documents ont été détruits. Mais visiblement, les expériences ont été poursuivies en secret. Et qui en avait donné l'ordre? La présidente, Strand. Mojet? Les bébés jouaient un rôle clé dans la compréhension du mystère entourant le Death Stranding. Ça, elle avait un programme bien précis pour eux. Ils n'ont pas été conçus comme de simples détecteurs à échouer. Elle, ce qu'elle voulait, c'était les incorporer au réseau chiral, pour faciliter les déplacements vers la grève. Mais de ces plans, aucun n'a jamais pu se réaliser. Et maintenant, il est trop tard. Cette technologie est tombée aux mains de terroristes. Qu'est-ce que vous savez sur Die Hard Man? J'ai bien peur qu'ils soient impliqués. Je ne sais pas depuis combien de temps il fait partie de l'équipe de Strand. À ce jour, je ne connais pas son visage, ni même son nom. Mais je pensais que vous, comme vous vous connaissez depuis une paye. Je ne l'ai pas connu sans son masque, moi non plus. Il semble qu'il a été brûlé au visage. Je vois. Désolé. Les données que j'ai trouvées sur l'époque sont toutes classées au niveau de confidentialité le plus élevé, d'après ce que j'ai pu voir. Le directeur est le seul à être habilité à les consulter. Mais grâce au réseau chiral, nous avons une nouvelle opportunité. Si je peux compiler les données du domaine public qui sont fragmentées et disséminées à travers tout le pays, alors je serai peut-être en mesure de reconstituer de nouvelles pièces du puzzle. Faites attention à vous, Sam. Il vous surveille. Eh bien, Sam, vous avez de l'humour, ça ne fait aucun doute. Enfin, c'est un excellent moyen d'échapper à la corvée de lessive. Réparer le bébé, ok? Oh non, c'est vous qui allez le réparer. Je ne pourrai jamais y arriver sans votre aide. Allez consulter le terminal de livraison à l'étage pour voir les détails. Quand vous serez prêt, évidemment.